Io ho messo a disposizione dei racconti, alcuni racconti che avevo scritto sia per il teatro che per la televisione, e che ho pensato fossero utili per cominciare a lavorare insieme. Perciò i primi giorni di prove in Italia a giugno, tra giugno e luglio, sono stati una sorta di laboratorio. Ho pensato che fosse più interessante lavorare su dei racconti che in qualche maniera potevano essere messi uno vicino all'altro, piuttosto che su un testo complesso. In realtà il lavoro nasce proprio come un laboratorio. Quando ho proposto a David i primi racconti, l'ho fatto pensando alla possibilità di farne poi uno spettacolo. Però inizialmente è stato davvero un laboratorio. E poi pian piano ho scritto dei passaggi che non c'erano au début. E pian piano abbiamo costruito insieme petit questo on a construit ensemble ce travail. Moi j'avais vu tout le travail de Ascanio à chaque fois qu'il est venu à Liège ou au Théâtre National, et sa manière de raconter les histoires et surtout sa manière d'être acteur seul avec très peu de moyens de proposer les histoires à un maximum de public parce qu'elles sont déplaçables avait été une manière pour moi de m'identifier ou de trouver un acteur qui existe ou un auteur qui existe, un acteur culturel qui existe qui mène dignement son métier. C'est une des choses que je voulais apprendre vu mon âge et pour me mettre des perspectives dans ce métier-ci. Et c'est ça que j'apprends aussi. Donc parce que c'est pas comme si je devais simplement honorer la mise en scène d'Ascanio et faire un super spectacle, c'est que je suis là en train de travailler avec quelqu'un que j'estime énormément et donc d'apprendre des méthodes de plateau, des méthodes de création, des méthodes de répétition, des méthodes de narration. Donc je suis d'une part d'abord dans un apprentissage. Ensuite, c'est clair que j'avais jamais mené un texte tout seul, 1h20, à apprendre à saliver comment il faut saliver pendant 1h20. J'avais jamais entretenu ce type de rapport avec le public. Ce n'est pas, très vite j'ai compris, au début je me suis dit tiens moi aussi je vais me laisser pousser la barbe, je suis allé dans les premiers. Ce n'est pas évidemment Ascanio Celestini que je dois être sur le plateau, et ça c'est ce que Ascanio m'a très vite proposé aussi, c'est de m'approprier son texte, plus que son texte, c'est d'incarner ses histoires, de les comprendre, de les vivre aussi pour que je puisse me planter au milieu de ses histoires et y intégrer le public. Credo che esista un teatro politico. Je ne crois pas qu'il existe un théâtre politique. Né un teatro sociale. Ni un teatro sociale. O civile. Ou civil. Io racconto queste storie perché a me sembra che siano interessanti. Moi, elles me semblent intéressantes. Penso che. Je pense que. Che siano quelle che a me interessano. C'est celles qui m'intéressent. E forse interessano anche a qualcun altro. Donc peut-être ça va intéresser d'autres personnes. Chi fa politica? Celui qui fait de la politique. Io faccio politica in quanto cittadino. Moi je fais la politique en tant que citoyen. È chiaro che quindi parte del mio pensiero finisce anche nei miei racconti. Ça part de ma pensée et ça finit dans mes récits. Però io li scrivo come un cantante scrive canzoni d'amore. Come un chanteur écrirait une chanson d'amour. La finalità è la stessa. C'est la même finalité, c'est le même objectif. Allora, sono due linguaggi diversi. Ce sont deux langages différents. Fare politica significa, faire la politique, ça signifie interagire direttamente interagir con directement avec la réalité. Et il teatro questa cosa non può fare. Et le théâtre ne peut pas faire cette chose. Julian Beck, du Living Theatre. Diceva, non potremo mai rappresentare la mort. Perché ci vorrebbero delle persone che muoiono realmente. Des personnes qui meurent vraiment au théâtre. Ma quando le persone muoiono realmente Mais quand les gens meurent dans le théâtre, le théâtre s'arrête. Per questo, donc, dico, io non posso fare théâtre politique. Je ne peux pas faire de théâtre politique.
Parce que faire du théâtre et faire la politique sont deux choses différentes. En plus, je crois qu'aujourd'hui, faire la politique vraiment, ça signifie non accettare la delega, pas accepter la délégation déléguée dei partiti des partis ou des syndicats, déléguée au parti ou au syndicat. Nel teatro questo non è possibile. Dans le théâtre, ça, ce n'est pas possible. Sarebbe possibile, ce serait possible se tutti insieme raccontassimo una storia. Tous ensemble on racontait allora, l'histoire. Quello sarebbe fare alors politica. Ça devrait, ça deviendrait faire ma de la politique. Mais teatro. Ça ne se souvient, ça n'arrive pas dans le théâtre. Les personnes viennent, una storia, écoutent une histoire, guardano un film, una danza, une danse. Et quindi non et donc, partecipano, ils ne participent pas directement. Moi j'ai l'impression que l'intention n'est pas de faire de la politique. Évidemment, on travaille sur des territoires éminemment politiques, puisqu'on souhaite parler de la réalité. Tout à l'heure, vous me demandez ce que je pense de l'aliénation, moi, puisque je suis jeune, de la lutte des classes et ça. Je pense qu'intuitivement, instinctivement, si j'ai commencé à faire du théâtre, c'est bien pour échapper à l'aliénation. Mm-hmm. Et c'est bien pour rencontrer une certaine façon de vivre que je trouve libre, que je trouve, en tout cas, qui me laisse en vie. Et ça, c'est en effet, on pourrait considérer que c'est politique. Pourtant, c'est rien, c'est juste une décision de ma part. C'est politique. Le fait qu'on raconte ce genre de voyage sur la lutte de classe, nous, on souhaite juste mettre les gens dans une histoire et que cette histoire, comme Ascanio dit, soit comme un massage, c'est-à-dire qu'elle réveille des sensations chez lui. Pas qu'il se lève et qu'il aille mettre des bombes, mm-hmm. qu'elle réveille des sensations pour que lui prenne pour qu'il en fasse ce qu'il veut, à vrai dire. Ce serait de la politique si on exigeait que tout ensemble, la salle, après on est dans Liège, parce que ce sera au Festival de Liège, c'est pour ça que je dis Liège, ou alors qu'on sorte de la salle et qu'on pose des bombes. Ce n'est pas ça, il s'agit de faire un voyage, et en effet, le voyage, il démarre sur un terrain imminemment politique.